Bienvenue dans cette vidéo, nous allons discuter d'un sujet intéressant dans le domaine de la crypto-monnaie. Faut-il vraiment acheter les baisses? Beaucoup de personnes considèrent l'achat des crypto-monnaies lorsqu'elles subissent une baisse, pensant qu'il s'agit d'une opportunité intéressante pour investir. Cependant, est-ce une stratégie fiable pour investir dans la crypto-monnaie? Tout d'abord, il est important de comprendre que les crypto-monnaies sont des actifs très volatiles. Leur prix peut varier en fonction de nombreux facteurs tels que l'actualité, les réglementations gouvernementales, les phénomènes mondiaux, et les sentiments des investisseurs. Donc, acheter une crypto-monnaie parce que c'est qu'un baisse n'est pas toujours une bonne idée. En réalité, la stratégie la plus efficace pour investir dans la crypto-monnaie consiste à adopter une stratégie à long terme et de diversifier son portefeuille. Cela inclut investir régulièrement dans une gamme de crypto-monnaies plutôt que de se concentrer sur une seule. En diversifiant son portefeuille, l'investisseur peut réduire les risques et profiter de la croissance à long terme des crypto-monnaies. Il est également important de faire ses propres recherches avant d'investir dans une crypto-monnaie. Analyser les données fondamentales et techniques d'une crypto-monnaie peut aider à déterminer si elle est susceptible de croître à long terme, si elle correspond à votre profil d'investissement et à vos objectifs financiers. En conclusion, acheter les baisses d'une crypto-monnaie peut sembler une bonne stratégie, mais ne devrait pas être la seule raison pour investir dans une crypto-monnaie. Adopter une approche à long terme, diversifier son portefeuille, faire ses propres recherches peut également aider l'investisseur à réduire ses risques et maximiser son portefeuille, son investissement à long terme. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de conseils sur l'investissement et la crypto-monnaie. Merci et à bientôt.